Dieu des esprits, des prophètes, toi l'auteur de la vie que nous avons, nous te disons ici ce matin. Seigneur, je ne suis qu'un homme plein de faiblesses. Et tu as choisi que je sois la vase que tu as utilisée afin de bénir nos âmes ce matin. Seigneur, je prie que pendant que tu vas nous parler, que nous soyons guéris, transformés, délivrés. Seigneur, que nous puissions être illuminés par la lumière de ta parole. Donne-nous la force d'avancer. Que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas m'interpréter en français, monsieur. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. We bless the Lord for his grace, sa miséricorde et sa bonté, for his mercy and his goodness, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans la semaine jusqu'aujourd'hui. For everything he's done for us during the week, nous lui en sommes reconnaissants. We're grateful. Je bénis Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste José et maman Nénette ce matin et toute la famille. Que Dieu vous bénisse d'être là ce matin. Amen. We bless the Lord for the presence of the men of God and his family. May you all be blessed this morning. Le dimanche, maman Nénette m'avait dit que vous ne vous sentiez pas bien. On a prié au Seigneur, on a dit que le Seigneur vous donne la force. Last Sunday, our mother told me that you weren't feeling well, and we prayed to see you, and we were so happy to see you. Et nous bénissons Dieu que vous soyez là ce matin. We bless God because you're here this morning. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et je vois la présence de notre sœur qui est venue de la France, et une grande surprise pour moi. And I'm seeing the presence of our sister who came all the way from France. La nuit passée que j'ai appris ça de la part de ma femme. I heard that she came last night. My wife had told me. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. C'est sœur Nathalie, c'est ça? It's our sister. Content de te voir parmi nous ce matin. We're happy to see you here this morning. Et bien, que le nom de l'Éternel soit loué. May the name of our God be glorified. Amen. Et nous bénissons Dieu aussi pour le nouveau couple parmi nous. And we bless the Lord for the new newlyweds among us. Ils sont officiels devant l'État. They're being officialized in the state. Mais l'Église va s'apprêter aussi à ce qu'ils soient officiels devant l'Église et devant le Seigneur. But the church will also be prepared to receive them and officialize them before the Lord. Mais Dieu reconnaît l'institution de l'État. But God recognizes the institution of the state. C'est déjà le mariage. It's already marriage. Tout ce que nous faisons, c'est de vous bénir, de vous présenter devant Dieu. All that we're doing is blessing you and presenting you before God. Amen. Amen. Et nous bénissons Dieu pour notre visiteur ce matin qui a été invité par la sœur Nicole. We bless the Lord for our visitors who were invited by our sister Nicole. Et c'est qui encore votre nom? Vicky. Your name, please. Vicky. Sister Vicky, God bless you for being here this morning. Oh, amen. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. We're going to pass to the word of God. Nous sommes une assemblée mixte. We're a mixed assembly. Nous avons les francophones et les anglophones. Where we speak both French and English. Alors on va essayer par la grâce de Dieu. So we're going to try by the grace of God. Afin que chaque personne se retrouve. Amen. For each person to find themselves. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les langues. Because God's the one who created every language. Amen. Amen. Je préférais parler une langue que je parle et que je comprends mieux. I prefer speaking in the language which I understand very well. Et la personne qui m'interprète connaît mieux l'anglais. And my interpreter understands English very well. Comme ça, nous pouvons être équilibrés. That way we can be balanced. Je peux toujours prêcher en anglais. Because I can preach in English. Et ça va commencer premièrement en Lingala. But it's going to start first in Lingala. Et ça va en français. It's going to go all the way to et French. Et puis ça tombe en anglais. And then you'll find us in English. Alors il y aura un petit retard. So there will be a delay there. Alors je préfère mieux parler en français directement. Amen. So I prefer going directly to the French. C'est l'anglais n'est pas ma bouche comme on dit. English is not my mouth as they say. Je dis que l'anglais n'est pas ma langue. Amen. As to say, English is not my first language. Amen. Amen. Alors, dans la semaine, nous étions en train de parler sur les épreuves. During the week, we were speaking about trials.
Et nous avions essayé de toucher beaucoup de points, bien qu'on n'en avait pas le temps. And we tried touching on many points, though we didn't have much time. Et nous avions montré que ce n'est pas toutes les épreuves qui viennent de l'ennemi. And we showed that not every trial comes directly from the enemy. Même si l'ennemi vous a touché, even if the enemy has touched you, dans la plupart du temps, in most cases, ou en toutes choses, or in every case, c'est l'Éternel qui l'a permis. It is the Lord who has allowed. Parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur un humain si l'Éternel et Dieu ne le lui permet pas. Because the enemy has no power over any human being unless the Lord allows. Rappelez-vous dans le cas de Job. Remember in Job's case. Lorsque le diable parcourait la terre, when the devil searched through the earth, il regardait comment les fils de Dieu et les fils des hommes vivaient. He saw how the sons of God and the sons of man. Et il a remarqué qu'il y avait un fils de l'homme qui était remarqué, un fils de Dieu qui était remarqué. But notice there was one son of God that was remarkable. Il s'agissait de Job. His name was Job. Mais comme lui c'était un accusateur, as the devil is an accuser, la Bible l'appelle dans Apocalypse 12 qu'il est l'accusateur de nos frères. The Bible says in Revelation 12 he is the accuser of our brothers. Alors ce monsieur s'est présenté dans la présence de Dieu. This person presented himself before lorsque God. Les fils de Dieu s'est présenté en présence de Dieu. As the, when the sons of God were presenting themselves, lui aussi s'est God, présenté. He also was presenting. Mais il n'était pas porteur de bonnes nouvelles. But he was not bringing forth good parce news. Parce que c'était un accusateur. Because he's just an accuser. C'est ça la nature qui est en lui. That's his nature. Et c'est ce qu'il connaît faire. And that's what he knows to do. Et il a dit à Dieu. And he said unto God. J'ai parcouru la terre. I've searched through the earth. Et Dieu lui a demandé. And God asked. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Have you tried my servant Job? Il y a des gens dont Dieu est fier. There are some people when God is pleased. Je prie que je sois parmi ces gens-là. I even pray that I'm among those. Où Dieu lui-même il tape la poitrine. Where God himself even taps. Il y a fait. As-tu vu mon serviteur Nicolas? He says, have you seen my servant Nicholas? Dieu lui a demandé. God asked him. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? But have you surveyed my servant Job? Il dit oui. The devil said yes. Tout ça c'est parce que tu l'as béni. All this is because you've blessed. C'est pourquoi him. Il essaie de te montrer la piété. That's why he tries to be faithful. C'est pourquoi to il you. Essaie d'être bon. That's why he tries to be good. C'est à cause du fait que tu lui as donné l'abondance. It's the fact that you've given him abundance. Et le Seigneur qui était tellement confiant de Job. And the Lord who has so much confidence. Lorsque Satan le propose, when the devil proposed il something permet to him, seulement que je touche à ses biens. He said, just allow me to touch tu verras comment il va tourner contre toi. And you'll see how he will turn against you. Et le Seigneur dit, and the Lord said, touche à ses biens. Touch only his mais goods. Ne touche pas cela. But do not touch his soul. Ne touche pas à sa vie. Or his life. Voyez-vous, le but du diable c'est nous faire du mal. Behold, the goal of the devil is to harm us. Mais en réalité, il n'a pas le pouvoir si Dieu ne lui permet pas. But in reality, he has no power unless God allows him. Il est venu faire sa mission. He came for his mission. Celle d'accuser. Which was to accuse. Celle de détruire. That to destroy. Celle de tuer. That to kill. Celle de dérober. That of stealing. Et ça, c'est vrai, Dieu lui en connaît le mérite. And this is true, God. Dieu reconnaît ses mérites. God understood his benefit. Que le diable est capable de détruire. Or that the devil is able to destroy. Et c'est ça que le diable aime. And that's what the devil loves to do. Et le Seigneur. And the Lord. Il lui a dit, va le faire. Said, go ahead and do it. Parce qu'il savait. Because he knew. Qu'il avait confiance en Job. He had confidence in Job. Et lorsqu'il est parti. And when he went, il a fait ce qu'il devrait faire. The devil did what he had mais to do. Mais aux yeux des humains que nous sommes, but to the eyes of human eyes, regardons là où Job était, we look at where Job et was, et se retrouvant par terre, and where he found himself on the ground. Non, on allait qu'accuser Satan. We would accuse the devil. On ne pouvait pas voir que le Seigneur l'a permis. We could never say that the Lord parce qu'il n'y a que le diable qui peut détruire à ce niveau. Because only the devil can destroy. Effectivement, la main de Dieu ne peut pas détruire. And the hand of God does not destroy. Lorsque Dieu veut que tu passes par une épreuve, if God wants you to go through a trial, il utilise que les forces du mal. He uses just the parce forces qu'en lui, of, y a pas de of darkness. Because in him mais there is parce no qu'il darkness. Est le maître des esprits. But because he is the master of il spirits, veut permettre que ces esprits là, he allows those evil qui savent comment faire le mal vous tous, who know how to harm you. Il y avait un moment où Dieu parlait avec les prophètes. There is a moment where God was speaking with the prophet. Le Seigneur voulait prouver que les prophètes là
c'était des faux prophètes. The Lord wanted to prove them as false. Et lorsque le Seigneur voulait que le prophète prophétise les mensonges, and the Lord allowed them to prophesy lies, voilà qu'un esprit se présente devant le Seigneur. Then a spirit presented itself. Il dit, permets-moi d'entrer dans sa bouche. He said, allow me to enter his mouth. Afin qu'il prophétise les mensonges. That he may prophesy lies. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Because in God, there is no lies. Il pouvait pas amener le mensonge dans ce prophète. God cannot bring lies. Il fallait qu'un esprit de mensonge se présente. But a spirit of lies had to be present. Afin d'accomplir ce sale job. In order to complete that inside job. Remarquez lorsque Dieu a permis que les plaies frappent les enfants de l'Égypte. Behold, when God allowed the children of Egypt to be struck, il devait frapper les premiers-nés de chaque maison de l'Égypte. He had to first strike down the firstborn of each household in Egypt. Alors l'esprit là devait passer, cet ange de la mort devait passer. So that spirit, that angel of death, had to pass over Egypt. Le Seigneur savait que si les enfants d'Israël ne sont pas protégés par le sang, même eux ils vont être frappés. And the Lord knew that if the children of Israel who were in Egypt weren't covered by the blood, they too would be struck. Parce que c'était l'esprit du mal. Because it was a spirit of harm. Le Seigneur ne pouvait pas faire du mal à ces gens. But the Lord could not harm his people. Mais il a permis que l'ange de la mort passe. However, he allowed the angel of death et to si pass. Et s'il n'avait pas protégé les familles sous le sang, and if he didn't protect the families of Israel, même eux aussi ils allaient être frappés. They would also would have been struck. Donc toute chose qui arrive, so everything that arrives, la Bible dit qu'il y a-t-il une chose qui peut arriver sur la terre? The Bible says there is one thing that remains on the earth. Si l'Éternel Dieu n'en soit l'auteur, there is nothing that happens on the earth unless the Lord in heaven. Chaque chose. Everything, qu'il soit bon ou mauvais, which is good or bad, l'Éternel aura toujours le dernier mot. The Lord always will have the last word. Et c'est pourquoi il dit, comme nous avions dit dans la semaine, and that's why he said, as we spoke during the week, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. That everything works together for the good of those who love God. Toutes choses. All things. Il n'a pas dit les bonnes choses. He didn't say just good things. Concours. Work together. Mais il dit. But he said. D'autres choses. All things. Parce que nous avons remarqué. Because we've seen. Que même les mauvaises circonstances. Even bad circumstances. Dieu les utilise pour bénir les enfants de Dieu. Being used by God to bless the children of God. Et nous avions donné les exemples des hommes de Dieu dans la Bible. And we gave the examples of the men of God in the Bible. Nous avons parlé de Joseph. We spoke about Joseph. On a vu Joseph. We saw Joseph. Qui raconte des rêves à ses frères. Who was telling his dreams to his brothers. Et il s'est confié à eux parce que ce sont des gens qui l'aiment. Et il croit qu'eux aussi l'aiment. He trusted them because he thought these were people that he loved, and he thought that they also loved him. Quand tu as une bonne nouvelle, tu la partages avec les gens qui sont autour de toi. Every time good news comes, you always share it with the people next to you. Quand tu as une vision, tu veux accomplir quelque chose, tu veux tellement parler à quelqu'un qui peut t'encourager. Or when you have a vision or something that comes to you, you want to speak it to someone who can. Et il s'est approché vers ses frères. So he approached his brothers. Et là, leur a parlé de ce que le Seigneur lui a montré. And told them about what the Lord has shown him. Et cela a créé de la. But that created jealousy in their hearts. Même lorsqu'il a parlé de l'autre vision à son père. And when he spoke about another vision to his father, son père était un peu choqué. His father was even shocked. Parce que c'était un homme spirituel. But because he was a spiritual man. La Bible dit qu'il a marqué les paroles de la vision. The Bible says that he took note of the words of that vision. Parce que son père considérait beaucoup les visions et les rêves. Because Joseph's father considered many visions and dreams. Et cela créa la jalousie. And that created jealousy. Et cet homme se retrouve esclave dans une maison. And this man found himself a slave in some très loin de sa famille. Far away from his family. Et c'était toujours une bonne personne. Yet he was still a good person. Malgré les épreuves. Despite those trials. Il est resté comme Job. He remained like Job. Job a dit. Job said, Éternel, tu sais, Lord, you know, même quand tu m'aurais éprouvé, even when you will try me, tu connais le chemin que je prendrai, you know the way that I will take, je ne m'éloignerai pas de ta parole, I will not remove myself from même your word. Saul, even so, était convaincu, even Saul was que Dieu connaît sa justice.
that God knew his il justice. Savait que Dieu le faisait confiance. He knew that God trusted et il a dit, Seigneur, tu sais, he said, Lord, you know que même quand tu m'aurais éprouvé, that even when you will try, tu connais le chemin que je prendrai. You know the way that après I will ma foi éprouvé, he was also tried. Je sortirai comme de l'or. And after you try me, I will come out as gold. Il savait. He knew il passait une procédure de preuve. He was going through a process. Il savait que cette procédure allait le purifier. He knew this process would purify him. Il dit, je sortirai de là comme de l'or pur. He said, I'm going to come out like pure gold. Et de même, Joseph avait la même attitude. And Joseph had the same attitude. Il traversait des temps difficiles. He was going through difficult times. Alors qu'il avait une grande vision. Though he had this great vision. Vous verrez un homme. You see a man. Il est là. He's there. Il a de très grandes promesses dans la vie. He's got great promises in life. Et quand vous le regardez, but when you look at him, vous risquez. You risk. Si vous n'êtes pas spirituel, if you're not spiritual, de dire qu'il est comme ça parce qu'il est possédé, of saying he must be like this, et alors il souffre parce qu'il est possédé, or he's suffering because alors qu'en lui, but in him, se cache des grandes promesses, is hidden great promises. Mais en temps présent, but in the present time, il traverse des temps de souffrance, they're going through times of suffering. Mais Joseph avait compris. But Joseph understood. Il a dit, je sais une chose. He said, I know one que thing. Dieu qui m'a parlé, that the God who has spoken to ne me ment jamais. Never lies. Alors ce que je vois avec mes yeux, so what I'm seeing with my eyes, ne peut pas me détourner de la promesse que le Seigneur m'a donnée. Cannot turn me away from the promise. Je suis patient. I'll be patient. Je vais attendre. I'll wait for it. Même si je suis servant dans la maison de Potiphar. Even if I'm a servant in Potiphar's mais je sais une chose. I know one thing. Que j'ai vu ma branche s'élever plus longue que celle de mes frères. That I saw my branch being lifted je higher than my brothers. Chose. I know one thing. Que j'ai vu le ciel, le soleil, la lune et les étoiles venir se prosterner devant moi. That I saw the sun, the moon and the stars bowing before me. Ce qui importait pour lui, what was given c'était for la vision qu'il avait. Was the vision that he au lieu de regarder aux circonstances, instead of looking at his circumstances, vers le but. He looked towards the vision. Regarde vers la vision. Look towards the vision. Regarde vers Christ. Look towards Christ. Le consommateur de notre foi. The author of our faith. Il était là. He was there. Il croyait. And he believed. Dans les promesses. In the promise. Mais le temps présent. But the present time. Disait le contraire. Was saying the opposite. Mais c'est Dieu. But that God. Qui a permis. Who allowed. Que le futur premier ministre. That the future prime minister soit vendu comme esclave. Be sold like a slave. Il pouvait s'en douter des promesses. He could have doubted the promise. Il pouvait se dire, je crois que c'était juste mes pensées à moi. He could have said, maybe it was just my own thoughts. Peut-être c'était des rêves juste provoqués par les refoulements des pensées. Or maybe it was a dream that comes when I'm full of because I was full of worries. Mais il a continué à croire. But he continued to believe. Les circonstances ne l'ont pas secoué. The circumstances did not break him. Amen. Amen. Et nous avions montré dans Ésaïe 45. And we showed in Isaiah 45. Au verset 3. At verse 3. Surtout la version anglaise que le frère Joël avait lue. Especially the English version that our brother Jerome wrote. I would like for him to read that same version for us. Isaiah chapter 45, verse 3. Isaiah chapter 45, verse 3. I will give you the treasures of darkness and hoard in secret places, that you may know that it is I, the Lord, the God of Israel, who call you by your name. It is. I will give you the treasures of darkness. He says, I will give you les trésors de ténèbres. The treasures of darkness. Comment quelqu'un qui traverse des temps sombres dans les ténèbres, mais il trouve des trésors là-bas? How do you expect, how can somebody going through troubled, dark times find treasures in those des times? Des trésors cachés dans les ténèbres, des trésors enfouis. Treasures that are hidden in the darkness, covered in darkness. Parce que devant vous, because in front of you, la circonstance présente, the present circumstance, elle est tellement ténébreuse, is so dark and hard, que vous ne pouvez pas voir la bénédiction dans ça. That there's no way for you to even see a mais blessing. Mais le Seigneur lui le dit, but the Lord he says, dans cette circonstance ténébreuse, in that dark circumstance, je te montrerai, je te donnerai les trésors
trésors qui sont cachés dans ça. I will give you the hidden treasures. Mais est-ce que si David s'était demandé comment se fait-il que je protège les brebis de mon père, il y a l'ours et les lions qui viennent. David asked himself, how will I protect my father's sheep when there's a lion coming to attack them? Il pouvait se poser des questions de toutes ces attaques. He could have asked himself questions about all those attacks. Mais il a combattu. But he just fought. Au nom de l'Éternel. In the name of the Lord. Et il a protégé les brebis. And was able to protect Mais the sheep. Réalité, but in reality, ce n'était pas ça le but de Dieu. That was not God's end goal. Le combat là que David était en train de faire face, the battle that David was facing, c'était la préparation pour la royauté. Was preparation for his royalty. Parce que David a premièrement eu une expérience dans le secret contre l'ours et contre le lion. Because David first had a secret experience against lions and bears. Et c'est comme ça lorsqu'il est oint. So now when he was anointed, maintenant il va en public. And he went public. Arrivant en public, when he became public, il fait face maintenant à une autre preuve publique maintenant. He was now facing a public trial. Et maintenant, lorsqu'il combat, and now when he fought, il se rappelle d'une expérience dans le privé. He reminded himself of a previous experience qu'il a fait avec le Seigneur. That he did in secret il with the Lord. Il s'est rappelé du Dieu qui lui a donné la victoire contre l'ours. He remembered the God who gave him the victory against the bear. Le même Dieu, the same God, pouvait lui donner la victoire contre Goliath. Could also give him victory against Goliath. Dans chaque combat de la vie de David, so every battle in David's life, c'était une préparation à la royauté. Was preparation for his royalty. Donc chaque épreuve de ta vie, so every trial in your essaye un peu de voir le but de Dieu dans tout cela. Try first to see the goal of God. C'est pourquoi nous avions enseigné la fois passée voir Dieu dans chaque circonstance. That's why last time we preached to behold God in each circumstance. Lorsque tu regardes, qu'est-ce que tu vois? When you look, what do you see? Voyez-vous Dieu dans cette circonstance? Do you see God in that circumstance? David pouvait se demander, mais pourquoi ma vie est remplie de combats comme ça? David could have asked, why is my life so combative? Des fois parmi nous, on se demande, pourquoi seulement moi? Sometimes we ask, but why just pourquoi me? Pourquoi tous ces combats? Why all these battles? Oui, parce que je suis spécial. Yes, because you're special. Parce que tu as des merveilleuses promesses. Because you have wonderful promises. Amen. Et lorsque David, and when David se présente maintenant devant Goliath, presented himself before et il a vaincu Goliath, and he overcame Goliath, l'expérience qu'il avait eue en privé, the private experience, lui qui a été déversé en lui en privé, he who can who lui bows before him in private, l'huile d'onction qui a été mise sur lui en privé, the oil that was poured out on him in secret, maintenant après la victoire de Goliath, now was poured after the battle of l'épreuve de cette huile commence à se manifester. The proof of that oil was being manifested. L'épreuve de cette onction commence à se manifester. The proof of that anointing was being et la voie vers la royauté s'ouvre maintenant. And the way towards his royalty maintenant, was open. Maintenant, il remarquait que David n'avait pas combattu les animaux féroces contre les brebis de son père. Now, imagine if David did not fight those ferocious animals to protect his father's sheep. Imaginez-vous que David n'a pas combattu Goliath. Imagine if David never fought Goliath. Est-ce que vous voyez David atteindre la royauté? Do you think that David would have ended up as a king? Alors que c'était les circonstances de combat. But it was the circumstances of his battle. Mais Dieu a permis qu'il passe par là. That God allowed him to go. Parce que le Seigneur le préparait pour la royauté. Because the Lord was preparing him for his royalty. Nous allons lire dans le livre de Jacques. We're going to read in the book of James. Jacques au chapitre 1. James chapter 1. Au chapitre 1, James, nous allons lire à partir du verset 2. We're going to read from verse 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et lui, il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, ici, vous pouvez vous rasseoir. So here you may be seated. Je crois que c'est après Hébreu, frère. Donc, l'Écriture dit que soyez dans la joie. The Scripture says, consider it pure joy. Lorsque vous faites face à diverses preuves. When you face many trials. Mais comment quelqu'un qui est malade peut-il être dans la joie? But how can somebody who is sick be joyful? Mais comment quelqu'un qui est dans son compte bancaire, c'est minus, peut être dans la joie? How can you look at your bank account with minus and be joyful? Comment quelqu'un qui a un enfant malade à la maison peut être dans la joie? Or have a sick child at home and be joyful? Mais c'est ça le principe de Dieu. But these are the principles of God. L'apôtre Paul dit, soyez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je dis encore, réjouissez-vous. The apostle Paul says, rejoice in the Lord. I say again, rejoice. Parce que la joie du salut, because the joy of salvation, elle préserve votre foi, preserves your faith, elle maintient le Saint-Esprit en vous, and keeps the Holy Spirit. C'est pourquoi David avait compris cela. David understood this. Il y a tiré le Dieu. He said, Lord God, ne m'arrache pas la joie du salut. Do not take the joy of salvation. Ne me retire pas de ton esprit. And do not take your Holy Spirit from me. Je te dis, si tu veux vivre la vie de tristesse, I'm telling you, if you want to live a life of sadness, tu pries, despite the fact tu that you pray, tu commences la tristesse. You finish praying and you start to finis de confesser les grandes choses, maintenant tu deviens triste. You finish confessing great things and become c'est angry. Une preuve de manque de foi. This is a proof of lack of lorsque faith. Lorsque vous avez la foi, when you have faith, et que vous passez les diverses trials of many kinds, vous maintiendrez l'attitude de Job et celle de Joseph. You must maintain the attitude of Job and Joseph. Job a continué à faire confiance à Dieu. Job continued trusting in Joseph God. A continué à faire confiance à Dieu. Joseph continued trusting God. Joseph a servi Potiphar avec fidélité. He served Potiphar faithfully. Bien que c'était un temps très difficile. Even though he was a difficult man. On l'a envoyé en prison. They sent him to prison. Alors qu'il ne devait pas aller en prison. He was falsely in prison. Il était juste. He was right. He was. He on l'a accusé justement. They falsely accused. Mais il s'est retourné en prison. But he found himself. Il in a accepté de servir sa soeur. He accepted to serve his prison. Et arriva en prison. And arriving in prison. La connexion de la royauté est en prison. The connection of his royalty. Voici la manière de Dieu de faire. Behold the way of God. Il cache les trésors dans les ténèbres. He hides treasures in the darkness. Dans les jours les plus ténébreux. In the days that are so heavy. Le Seigneur cache les choses importantes. The Lord hides something important. Remarquez pour ceux qui connaissent les matières précieuses qui ont vécu dans les mines ou bien qui ont visité les mines. For those who have ever visited a mine with precious gold or stones. Les pierres précieuses comme le diamant, l'or, ou le coltan, ces choses, c'est dans le profond, les profondeurs de la terre. Those diamonds and golds that are in, they're so deep in the earth. Les choses précieuses. Those precious things. Il faut creuser. You have to dig. Il faut creuser and dig afin de les retrouver. In order to find ils ne sont pas sur la surface. They're not found on the surface. Ils sont cachés. But they're hidden. Les trésors sont toujours cachés. Treasures are always les hidden. Les pierres précieuses sont toujours cachées. Precious stones are always hidden. Il dit que je vous donnerai. Je vais te montrer les trésors cachés. He says, I will show you the hidden treasures. Je te donnerai les trésors de ténèbres. And give you the treasures pendant of darkness. Pendant que tout est noir. While everything pendant is done, que tu es en prison, while you're in prison, pas parce que tu avais fait quelque chose de mal, not because you did anything mais wrong, vous étiez faussement accusé, you were falsely accused, et tu t'es retrouvé en prison, but you found yourself là-bas in prison. Le Seigneur te donne une connexion. There, the Lord will give you a connection. Quel Dieu que nous adorons.
This what type of God are you? Ses pensées ne sont pas les pensées humaines. His thoughts are not human thoughts. Joseph a souffert selon la volonté de Dieu. Joseph suffered, but according to the will of God. Pouvez-vous croire que la souffrance peut être la volonté de Dieu? Do you think that suffering can be in the will of God? Yes. Lui a traversé des temps très difficiles. He went through very difficult times. Mais en étant dans la volonté parfaite de Dieu. But was in the perfect will of God. Ce qui importe. What's important. C'est la vision. Is the vision. Amen. C'est le rêve. It's the dream que Joseph a eu. That Joseph had. C'est la prophétie qui t'a été donnée. It's the prophecy that was c'est given la vision que tu as, qui t'a été donnée. It's the vision that was given c'est la parole de connaissance qui t'a été donnée. It's that word of understanding c'est ce que that was le Seigneur t'avait montré. That's what the Lord c'est has shown qui importe. And that's what tout is ce important. Qui se passe ici, everything happening here c'est, ça vient pour te former. It's just to form you. Et certaines choses viennent même pour te distraire. And certain things may come even to mais distract you. Vers le but. But just look towards the end goal. Pendant qu'on était en train de prier ici, while we were praying here, j'ai vu un ventre ouvert. I saw a stomach that was opened. C'était horrible. It was terrible. Comme dans une salle d'opération. As in a surgery operation. Mais quand j'ai continué à dire Seigneur guéris-nous par ta parole, but when I kept saying Lord heal us through your word, je vois directement cet endroit-là. C'est refermé, cicatrisé à la même minute. I saw that same stomach being healed and stitched up in the same minute. It was the stomach of a woman. Apparemment avec un problème. With a problem. Mais c'était horrible à regarder. But it was hard to look at. Mais c'est cicatrisé à la même minute. But it was stitched and scarred in the same minute. C'est juste une parenthèse. This was just a parenthesis. Mais ça m'amène à regarder maintenant vers la piscine de Bethesda. But it's bringing me to look at the pool of Bethesda. Remarquez que l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Behold the man who was stuck at the pool. Est resté là-bas pendant longtemps. He was there for many years. Et cet homme. And this man. Voyait les gens guéris en sa présence. Was seeing people healed in his presence. Mais la Bible ne parle pas des noms de ces gens-là. But the people does not speak about those people's names. Mais sa guérison, on devrait parler de ça. The Bible doesn't speak of their names, but his healing is about. At times, there's a situation that happens. Simplement parce que Dieu veut se glorifier et veut qu'on parle de ton nom. Simply because God wants to glorify himself and for people to speak about you. Fait de partir on purpose. It's done on purpose. Dieu lui-même a fait ça sciemment. God has done it intentionally. Il te laisse là. And he leaves you there. Ton voisin guéri. Your neighbor il is vient témoigner. And they come and testify. You're still in le Seigneur permet que ça soit ainsi. The Lord has allowed it to be there. Parce qu'il veut se glorifier. Because he wants to glorify himself. Extraordinaire. In an extraordinary et il way. Veut qu'on parle de ton nom. And he wants them to speak about you. Alors qu'on a vu des gens guéris. So we've seen people being healed. En se jetant dans la piscine. Being thrown into that pool. Mais la Bible ne parle pas de. The Bible doesn't talk about et cet homme est resté longtemps. And this man who was there a long time. Jusqu'à ce que, j'ai toujours dit jusqu'à ce que la piscine et l'ange deviennent un seul homme. I've always said up until the pool and the angel became one man. Parce que l'ange qui venait secouer l'eau, c'était l'ange que l'Éternel envoyait. Because the angel that would come to stir the water was sent by the Lord. Et la piscine n'était qu'une vase qui contenait cet homme. And the pool was just a vessel that the angel alors, used. Now this angel and the pool became one man called Jesus of Nazareth. He presented himself before him. He said, do you want to be healed? And this man was, he was a complicated man. But the question was so simple. Do you want to be healed? He said, Lord, there is nobody to throw me in the pool. Sometimes we limit God's ability to move in our life. God, and say, God only heals in this way. Or he only heals by the imposing of hands. But this man said, God can only heal if somebody is thrown in the pool. That's what he thought. He put God in a box. That our God only heals through the pool.
But I, comme je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, since I have no one to throw me alors in the moi je ne ferai pas part de la guérison. I don't think I'll be a part mais cet homme lui demande, but this man asked, veux-tu être guéri? Do you want to be healed? Lui donne une explication. And he gave his explanation. Il ne donne pas les désirs de son cœur. He didn't give the desire of mais his le Seigneur heart, qui avait la compassion en lui. But the Lord who had compassion le Seigneur on him, qui l'avait gardé malade. Pour qu'il soit là. The Lord who kept him in his sickness. Il avait compris que le temps était déjà venu. He understood the time had il already avait came. Pas besoin de sa réponse. He didn't even need his response. Il a dit, prends ton lit. He said, take your mat. Marche. And walk. Parce qu'il y a derrière cette guérison. Because in that healing, la gloire de Dieu. There was the glory of God. Il fallait qu'on parle de cet homme. They had to speak about il that man. Il fallait que les gens se plaignent que la guérison s'est passée le jour du sabbat. People had to complain that healing took place et on the Sabbath. Et qu'ils nous disent que lui il est notre sabbat. And that they can say that Jesus et is our Sabbath. Et que nous sommes entrés dans le sabbat. And that we've entered into the Sabbath. Et ça parce que Dieu avait un but derrière cela. God had a plan behind it. Il a gardé malade. So he kept the man sick. Moi, je me rappelle que le Seigneur m'avait gardé malade. I'm remembering that the Lord kept me sick. Pendant des années. For so many years. Je le servais avec tout mon cœur. I was still serving him with all my heart. They were imposing on their hands on me. They were giving prophecies to me. You're already et quand healed. Je retourne, but when I go back, je ne dormais pas. I wasn't sleeping. Il le faisait. He was sciemment. Intentional. Parce qu'il savait ce qu'il préparait. Because he knew what he was preparing. Il y a des circonstances de nos vies. There are circumstances in our lives. Et le Seigneur permet parce qu'il veut que son nom soit glorifié. That the Lord allows because he wants his name to et be glorified. Et parce qu'il veut qu'on parle de toi. And that people speak about you. Et aujourd'hui, and today, on parle de cet homme. People speak about this man. Qui était à la piscine. Who was by the pool. Et lorsque les gens lui demandent. And when people ask him. But who has et pourquoi il a fait le jour de sabbat? And why did he do it on the Sabbath day? Il dit moi. He said me. Je ne sais même pas. I don't know who tout ce que moi je sais, all I know c'est que je suis guéri. Is that I am si vous avez des questions, if you have questions, allez-y lui demander. Go and ask him. Mais tout ce que j'ai comme information, all the information c'est que j'étais malade. Is that I was et un homme venait vers moi. A man came et il m'a guéri. And he healed me. C'est tout ce que je sais. That's all I know. Hallelujah. Il permet des circonstances. He allows circumstances. Des fois douloureuses. Sometimes they are painful. Je me rappelle quand j'étais malade. I remember when I was sick. Permettez-moi de toujours témoigner de cela. It allows me to, I can testify about this every day. Because for la me, vie s'était arrêtée. Life was, it was like life was over. Et quand je vous dis que je lui ai demandé de me donner 5 minutes sans douleur, c'est pas des blagues, c'est une prière que je fais. When I tell you I would ask the Lord for just 5 minutes without pain, it's not a joke, it was a serious prayer je I was dis, doing. Je sais que tu vas me répondre. I said, Lord, I know you're going to respond to mais j'ai besoin de 5 minutes. But I just want 5 je me minutes réveille comme ça, je suis sans douleur. Where I wake up and have no pain. Et après, même si tu me réprenais, and even after the 5 là, minutes, va. If you bring it back, that's okay. Je voulais un peu goûter un peu une vie sans douleur. I just want to taste the life without pain. Parce que c'était devenu une partie de moi. Because it was like that pain became j'étais a part devenu of me. Un homme de douleur, habitué aux souffrances. I was a man that was used to suffering. Alors qu'il y avait qu'un seul homme de douleur. While there was only one un man seul pain, habitué aux souffrances. One man used to il suffering. Avait déjà pris ma place. And he already took et my place. Et lorsqu'on le flagellait, when they were striking by his stripes, moi je suis déjà guéri. I'm already healed. Alors pourquoi je dois continuer so why do I have to à souffrir avec la maladie? Suffering with this sickness. Il avait un but dans ça. He had a plan. Et un jour, and one day, la guérison the healing est venue sur les ailes de l'aigle. Came upon the eagle's wings. Il dit ceci. And he says this. Pour vous qui craignez mon nom, for those who believe le in my soleil name, de la justice. The Son of Righteousness will rise with healing on his rays. And one day that healing came. Et c'était fini. And that was le diable avait plié bagage. The devil tried to take il était his bagage. He was ashamed and embarrassed. And today, je crie à sa gloire. I shout for il y a his des choses qui arrivent. There are things that come qui nous font mal. That make us hurt. On peut pas discerner de foi. Sometimes we can't on sent que le ciel est fermé. We feel that the heavens are closed off. I pray. Je jeûne. I'm fasting. Mais pourquoi ces choses? But why are these things still happening? Oui, il faut que ces choses arrivent. Yes, those things have to come. Amen. Amen. Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Jesus himself, the Son of il God, était à Gethsemane. Was in Gethsemane. Il a commencé à prier.
priait. And he started to pray. On dit que lorsque la sueur coulait, they said when he was praying, the sweat drops were coming down like blood. Ça tombait comme des gouttes de sang sur le rocher. The sweat was dropping like blood on the rocks. It was so heavy. Parce qu'il ne voulait pas. Because he really didn't want cette douleur. He didn't want to go through that pain. À tel point que la partie humaine. To the point that his human flesh. De cet homme de Galilée. Of that man of Galilee. Cried towards the Father dit, who was in him. He said, Father, si cela est possible, if it is possible, enlève cette coupe. Take this cup. Et il savait une chose. But he knew one thing. Et la seule manière. That the only way. Qu'il aurait le pouvoir. That he would have ciel, power in heaven, sur la terre, on the earth, et sous la terre, and under the était earth, de prendre la coupe. Was to go through and take the cup. Finalement, il dit, and finally he said, pas ma volonté, not my will, mais ta volonté, but your will. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, and the Bible says, why he was praying, an angel came, vint le consoler. And they attended c'est him. Ça l'attitude d'avoir dans les temps difficiles. That's the attitude prie, in difficult times. Prie, pray, jusqu'à ce que le Seigneur t'envoie un ange. Until the Lord sends you an angel. Afin que le Seigneur te console. So that he can accompany you. And give you the strength afin for the way. Que tu affrontes le problème. So that you can face the trials. Parce qu'elle contient en elle la clé de ton élévation. Because those trials contain the key to your elevation. Et c'est pourquoi après sa mort. And that's why after his death. Et il est ressuscité. And he was resurrected. Il était fier sur la montagne de leur dire. He was happy to say on the mountain. Maintenant, now. Tout pouvoir m'a été donné. All power has been given unto me in heaven. Sur la terre. On the earth. Et sous la terre. And under the earth. Tout pouvoir. All power. Mais avant cela. But before that. Il devrait passer par l'épreuve. He first had to go through the trials. Les épreuves ne vont pas te submerger. The trials will not take over. Il n'y a pas une douleur qui a commencé qui ne finit pas. There is no pain that starts and never ends. Même l'homme qui est né, il mourra un jour. Even man who is born will die someday. L'épreuve que tu traverses a commencé, elle finira. The trial that you're going through has started si and will end. Si tu peux seulement tenir un peu plus fort. If you can just stand stronger. Si tu peux persévérer un peu plus fort. If you can persevere a little bit more. Et si tu peux regarder très très bien. If you can look very well. Tu verras Dieu dans cette épreuve. You'll see God. In that trial. Je disais qu'on peut souffrir par la volonté de Dieu. I was saying we can suffer and be and that be in the will of God. Qu'on le lise aussi dans 1 Pierre au chapitre 4. I want to read also in 1 Peter chapter 4. Au verset 19. Verse 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Ils souffrent selon la volonté de Dieu. They suffer according to God's mais will. Mais il leur dit ce qu'il faut faire. But he told them what they must do. Il dit qu'ils puissent recommander leur âme dans les mains de Dieu. To continue being faithful et to God. Et qu'il fasse ce qui est bien. And do what is good. Même dans les temps difficiles. Even in difficult times. Fais ce qui est bien. Do what is good. Ne deviens pas méchant. Don't become cruel. Ne deviens pas colérique. Or angry. Oh, moi, je souffre. Oh, I'm suffering. Ils sont comme ça. Ah, this is going tu bad. Tu perds le contrôle. You're losing control. Tu oublies que tu es un fils de Dieu. You're forgetting that mais you're a son of God. He says for those who selon la volonté de Dieu. According to the will of God. Qu'ils remettent leur âme entre les mains du Seigneur. Continue trusting and et qu'ils continuent à faire le bien. And continue doing good. C'est ça le remède. That's it. Et dans l'écriture que nous avons lue dans Jacques, and in the scripture we read in the book of James, il dit que soyez dans la joie. He says, be joyful. Pendant que vous traversez ces temps difficiles. When you go through these difficult times. Mais il dit aussi, but he also says, que celui qui manque la sagesse, that he who lacks wisdom puisse la demander. Ask for it. Mais il dit qu'il la demande avec foi. But ask for it with faith. Parce qu'il y a des fois, on traverse des temps difficiles.
Because there are times we go through difficult things. Et puis on prie beaucoup. And we pray a lot. Mais on n'a pas la foi. Without faith. Les problèmes ont créé tellement la peur en nous. The problem has created so much fear in us. Ça a créé tellement la déstabilisé notre foi. It's so destabilized our faith. Et la prière est devenue routine. That the prayer has become a habitual routine. It's become like a regular practice. We pray, we start praying instead of praying by revelation. Il faut prier avec foi. We must pray with faith. Mais des fois on tombe dans la coutume. But sometimes we fall into habits. On prie avant de manger parce qu'on a peur de mourir par poison. We pray before eating because we're scared to die by being on poisoned. On ne peut pas oublier de prier avant de dormir parce qu'on croit que les sorciers peuvent venir me détruire. We don't forget to pray before we go to sleep because c'est we're scared that witchcraft is going to come on us. It's by fear sometimes. Alors que la prière devrait être une communion entre le Seigneur et nous. Though the prayer should be a communion between ça the Lord and être us. Fait avec révélation. It should be done with revelation. Ça devrait être quelque chose que l'esprit vous pousse à faire. It should be something the spirit pushes you to do. Et non la peur et la coutume. And not by fear or habit. Et à part la foi. And besides faith. Il faut toujours garder la joie. Always be joyful. Toujours garder la joie. Always protect your joy. C'est un remède à l'âme. It's a remedy for the soul. Il vous guérit. It heals you. Comme je le disais que le sourire, le rire, c'est gratuit. Like I was saying, smiling, laughing, it's la free. Joie, c'est gratuit. Joy is free. C'est un remède qui guérit les problèmes somatiques. These are remedies that heal problems. Ça guérit le cœur. It heals the heart. Ça guérit ton âme. It heals your soul. Sois dans la joie. Be joyful. C'est une très bonne chose. It's a very good thing. Gardez l'attitude de la joie. Guard the attitude parce of joy. Que vous devenez triste. When you stay angry or sad, as much as you can. Avoid that with all your mind. Amen. Amen. Et demeurer dans la prière. And endure in prayer. Afin de comprendre la volonté de Dieu. In order for you to understand the will David of God. Dit, David says, enseigne-moi. Teach me. Des fois quand tu ne comprends pas. Sometimes when you don't understand, pourquoi tu t'agites? Why are you agitating? Mais retourne vers lui. Just go back to God. Assainis-toi. Go on your knees. Cherche-le dans la prière. Seek him and pray. Pray. Jusqu'à ce que quelque chose arrive. Pray until something comes. Jusqu'à ce que tu reçoives la révélation de pourquoi tu es dans cette situation. Pray until you receive the revelation of why you're in that situation. But when you don't see clearly what's happening, il te donnera la foi d'avance. Ask him to give you the faith to advance. La force. Ask him to give you the faith to move. And he will give you the spirit of perseverance. Matin, this morning, je voulais te dire, I want to tell you que le Seigneur that the Lord est capable d'utiliser tes épreuves en opportunité. Is able to use your trials as an opportunity. Il peut changer la prison. He can change the prison. A une clé pour la royauté. To a key for your royalty. Il peut utiliser Goliath. He can use Goliath. Pour que l'onction qui t'a été donnée en privé peut être publique. So that your anointing given in secret can be public. Parce que s'il n'y avait pas Goliath, because if Goliath is not there, l'onction de Samuel sur David, the anointing on David, pouvait peut-être rester toujours en privé. Maybe would have remained il fallait Goliath. Goliath had afin to, que l'onction soit manifestée en public. Goliath had to be there for the manifestation to be public. Il fallait la prison. The prison had to afin be que la vision de Joseph so that Joseph's vision s'accomplisse en allant à la royauté. Would be completed and bring him to his royalty. Il faut un Goliath. There has to be a Goliath. Mais il faut que ce Goliath tombe. But that Goliath has to fall. Afin que Saül comprenne. In order for Saul to understand. Il y a un autre roi dans la cité. That there's another king même in the city. S'il n'a pas encore occupé le fauteuil royal. Even if he hasn't taken the mais throne. Qui est vrai, what is true. Et que devant Dieu, is that before il God. Est déjà roi. He's already the mais king. Seulement quelqu'un d'autre, but someone else. C'est question de temps, is currently. Il occupe son fauteuil. Is currently taking his seat. C'est question de temps. It's just a matter of time. Que tu passes par la prison. You must go to the prison. Pour que tu deviennes le père de Pharaon. In order for you to become the prime minister of Joseph Pharaoh. Dit, Joseph says, je suis le père de Pharaon. I am the father of quelle Pharaoh. Déclaration. What type of déclaration? Est le père du roi. To say that you're the father et que of the king. Dit, and everything he said, le roi l'écoute.
The king listens. You will have influence on the people's lives. You want people to hear you. Want people to depend on you. But don't do it by your strategies. Don't do it through your thinking. Don't do it through lies. But accept to come down. As I said, those who built the pyramid in Egypt, they say that the chamber of the king, to enter the chamber of the king, you must go down. And the Bible says that the way to elevation is in being humble. So the Bible says this. He is called Solomon. He says, pride precedes the fall. But humility comes before the glory. Accept to be going through the prison for you to go to the royalty. Accept that your brothers reject you and tell you that you can't face Goliath. But you, despite your size, you know that Samuel has already anointed you, and that's what's pushing you to face Goliath. But they may not understand that he was, the oil was already on him. So don't trouble yourself about what people say. Just look at the prophetic word of Samuel and the oil that was poured out on him. And therefore you will overcome Goliath. May the Lord transform your trials to opportunities this morning. You're going to stand up and start to pray. Maintenant, Seigneur, je prie pour tes enfants. Laisse-le, Dieu, tu
go in là où tu es, tu vas juste lever ta main. Wherever you are, just lift your hand. Le centenier romain avait dit. The Roman centurion said. Seigneur, déclare une parole. Lord, just declare a word. Je sais que mon serviteur sera guéri. I know that my servant will be healed. Ou bien vous avez un membre de famille malade. Or if you have a family member who's sick. Vous pouvez toujours lever les mains à sa place. You can still lift your hands in your place. Et nous allons appeler les plus grands médecins. And we're going to call the greatest doctor. Les grands guérisseurs de nos âmes et de nos corps. The greatest healer of our souls. Il va guérir. And he will heal. Car le grand médecin est ici ce matin. For the great doctor is here this morning. Prions le Seigneur. Let's pray. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux en ces lieux ce matin. Alors que je voyais cette image affreuse, avec cette opération, Seigneur. Alors que je m'étonnais que, Seigneur, qu'est-ce que je voyais? Et toi, tu as opéré à la même minute. Et tu as fermé, cicatrisé la plaie. Oh, tu es bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui est malade, et s'il y a parmi nous ceux qui s'attendent à cette intervention chirurgicale, au nom de Jésus, alléluia, toi le plus grand médecin qui est ici ce matin, toi l'ange, l'ange de l'éternel, toi qui apportes la guérison sur tes ailes, le soleil de la justice, tu es ici ce matin, parce que nous avons prêché la même parole. Tu as promis d'être ici pendant que nous allons apporter la parole. Seigneur, est-ce que tu guérisses? Même pour ceux qui ne sont pas ici ce matin, nous te prions d'apporter la guérison dans leur corps, dans leurs âmes et dans leurs esprits. Je te fais tellement confiance. Tu n'as pas un Dieu qui révèle des choses pour donner l'information, mais tu révèles parce que tu veux restaurer. Seigneur, restaure tes enfants. Guéris tes enfants comme tu l'as fait avec moi. Au nom puissant de Jésus. De la même manière que tu avais enlevé les cancers du corps de Kevin par une prière à distance, tu peux le faire ce matin. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours.